L'ouverture d'esprit se limite aux gonds qui la soutiennent. Quand je parle de gonds, je me comprends. Il y a toutes sortes de gonds. Le gond moyen se supporte assez bien en général. Il est fréquent, nous en connaissons tous. Il nous offre des cadeaux débiles pour Noël, des jeux à monter avec des engrenages, des roues, des toupies, des vis sans fin qui grincent sur des fils métallique. Il s'incruste dans les conversations banales, entendues, en suggérant que si le monde tourne en rond, il faudrait le poser sur une table de billard. Encore que regarder la télévision rend gond à force en détaillant minute par minute le programme de la veille. Le gond d'excellence s'admire un peu. Il est sollicité par ses pairs. Le gond moyen le prend comme modèle, calque ses mimes, copie ses tics, s'en inspire pour mieux l'appréhender, le posséder, le devenir. Le roi des gonds. Ah là, c'est autre chose. Personne ne peut rien contre le roi des gonds, pas même James Bond. Peut-être le gong peut-il nous sauver. Il n'empêche que c'est un peu excitant que d'échanger le roi des gongs, des gonds, contre une tête de gonds. Je rêvassais de gondole. Je rêvassais de gondole.